Romain Tarusson est notre invité ce matin, c'est le boss du festival. Ben c'est quoi vous, votre dernier voyage, tiens, par exemple? Vous êtes allé où? Dernier voyage, ça est-ce qu'on a le temps de voyager? Non, depuis quel festival, on ne voyage plus beaucoup. Le dernier gros voyage, c'était la Tanzanie. Ah oui, d'accord, mais c'est pas mal. Ouais, le dernier gros voyage, mais chouette voyage. Je voyage beaucoup moins souvent maintenant, mais quand je fais des voyages, c'est des gros voyages ou des jolis voyages. Ouais. Le Water Trip Festival, c'est une semaine. Ça veut dire que pour cette semaine-là, c'est un an de travail. Bon, on se rend pas compte hein, lorsqu'on n'est pas dans l'organisation, mais c'est beaucoup de travail. Quoi. C'est ça, ouais, grosso modo, c'est un an de travail. Hein. Il y a une équipe bénévole derrière qui travaille, de 30 personnes à peu près, qui travaillent à l'année. Voilà, il faut savoir que le festival se termine dimanche, du coup. Ouais. On va se laisser 15 jours histoire de retomber. On fait 15 jours de débrief et ensuite on repart sur l'édition 2024. Par rapport à la 6e édition, donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux du coup, puisque le débrief donc a eu lieu l'année dernière? Alors, on s'est adapté au nouveau lieu pour le village déjà, puisque l'an dernier on découvrait le Pérou, avant on était sur l'Esplanade de Charles de Gaulle. Donc, ben voilà, il y a beaucoup d'adaptations à faire sur l'affluence. On a des plus gros concerts aussi, hein, Flavia Coelho, Gambit, etc. Donc, il faut qu'on s'adapte à ça. Et puis sur la programmation aussi, on essaye de rendre l'expérience un peu plus agréable pour les membres du jury des projections, parce que ben voilà, à un moment donné, ils enchaînaient la journée du samedi notamment. 5, 6, voire 7 films, ce qui est énorme pour se concentrer, etc. Donc là, on a allégé, c'est pour ça qu'on a étalé les projections tout au long de la semaine. Donc voilà, en fait, on apprend d'année en année. Qu'est-ce qui vient justement au Water Trip Festival? Est-ce que ce sont des gens qui aiment les voyages? Est-ce que ce sont des gens qui aiment les voyages mais qui n'ont pas l'occasion de voyager et qui voyagent via le festival? Qu'est-ce qui vient vous... On a tous les profils. Ouais, c'est vraiment assez dingue de ce côté-là. C'est qu'on a les voyageurs au long cours qui sont des backpackers et qui ont l'habitude de faire des voyages assez dingues. Ouais, on a une de nos bénévoles là qui va partir en mission en Arctique, je crois, avec l'Institut Polaire, par exemple. Ouais, c'est assez dingue. Et des personnes en fait qui partent en vacances régulièrement, mais soit à proximité de Montpellier. On a vraiment de tout. Des voyageurs, non-voyageurs, des curieux, des passionnés de littérature ou de cinéma. On a vraiment, vraiment de tout. Nous, on est assez voyageurs, donc on aime bien ce rendez-vous. Sébastien est parti en voyage en Grèce, on peut le dire, c'est pas un secret oui, non plus. Oui, voilà. Je suis allé à Palavas aussi. Oui, à Palavas. C'est voyage de proximité. On est allé à Cossignol-Jouls, tous ensemble une fois, c'était très bien. Guillaume a fait un beau voyage qu'il nous a même raconté... dans un podcast. Le Laos. Guillaume, c'est le Laos. J'y retourne bientôt. C'est ma destination préférée. Vous c'est y retournez? Mon voyage préféré, oui. Ah ouais, c'est un merveilleux pays, le Laos. C'est incroyable. Vous avez fait votre demande de congé, je ne l'ai pas encore acceptée. Oui, je suis désolé, mais c'est on verra. Vous, c'est pas vous qui dites oui ou non, de toute façon. Donc, Romain Tarusson, le boss du festival Water Trip Festival, est avec nous donc jusqu'à 9h sur France Bleu Héros ce matin dans ce 6-9. Suivez l'actualité de votre département avec le 6-9 France Bleu Héros. Bonjour, je suis Claire Moutarde. Chaque matin à 7h35, je vous emmène là où les parents ne vont pas. Mon ami, c'est quelqu'un, tu peux tout lui dire. Le micro de France Bleu Héros, c'est le seul qui s'invite dans les écoles de notre département. Je fais les devoirs à 17h40 après mon goûter et je termine à 18h quand même. À Hauteur d'enfant, la chronique qui donne la parole à vos enfants à 7h35 du lundi au vendredi sur France Bleu Héros et en podcast quand vous le souhaitez sur francebleu.fr. et l'appli ICI. France Bleu Héros, le 6-9. On part du Water Trip Festival, c'est cette semaine, ça commence alors officieusement aujourd'hui, officiellement demain, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Vous avez toutes les infos sur le site officiel qu'on va vous redonner, évidemment, si vous voulez avoir toutes les infos, les rendez-vous. Quels sont les temps forts, Romain Tarusson, les rendez-vous qu'il ne faut pas manquer? Vous allez me dire tous, mais on n'est pas forcément dispo toute la semaine, donc comment on fait alors? Il faut en sélectionner quelques-uns, forcément. Ben, demain soir déjà, hein, c'est l'ouverture du festival avec ce qu'on appelle la nuit de l'aventure. Ouais. C'est un de nos partenaires médias, Ushuaïa TV, qui a une carte blanche et qui nous propose deux films à voir. Un film qui est vraiment en particulier exceptionnel, qui s'appelle One Degree, qui est un mélange entre, aventure sportive et qui a un message à forte consonance environnementale derrière, avec la thématique justement de l'eau. Qui est l'eau. Donc ça, c'est une très belle soirée qui a lieu au cinéma Diagonal, et c'est la première fois en plus qu'on investit le cinéma Diagonal. Il y a aussi tout un
un tas de projections au centre Rabelais à partir de mercredi soir qui sont assez incroyables. Et ensuite, il y a vraiment le village du voyage où là, on a toute une série de rendez-vous à partir de jeudi soir et jusqu'à dimanche avec notamment des projections en plein air sur écran géant. C'est la première fois tous les soirs à 18h où là, on va projeter les épisodes d'une série qui s'appelle Arctic Fools, qui sont trois aventuriers qui viennent de Nice, si je ne me trompe pas, de la Côte d'Azur, qui partent sur un coup de tête en fait en Arctique. Et c'est très marrant, c'est léger, et il y a aussi une consonance, un message environnemental derrière. Je ne sais pas si vous nous regardez à la télévision ce matin, on vous a mis l'affiche du festival, elle est super jolie l'affiche, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a signée, je ne sais pas. C'est vous ? Oui. C'est vous ? Oui. Non mais un joli coup de pinceau quand même. Alors c'est pas de la peine, c'est de la création graphique, mais oui c'est... Ouais mais enfin quand même. Ah ouais, non, elle est franchement bien. Ouais. D'accord, ben, si c'est vous, bravo, félicitations, très bien. Vous nous disiez aussi que voilà, l'idée de ce rendez-vous, c'est que ce soit quand même quelque chose de festif. On est dans une ville du Sud qui a quand même l'habitude de faire un petit peu la fête. Donc on peut allier l'eau, le cinéma et en même temps faire la fête. Alors exactement. Comment ça se passe, via les concerts, j'imagine ? C'est ça, c'est via les concerts à partir de jeudi soir et donc du coup vendredi, samedi soir. On a toute une série de concerts. On démarre jeudi par le concert d'un collectif de DJ qui s'appelle les Mixeuses Solidaires sur la place du Pérou. Vendredi soir avec Gambit, notamment, qui est un comparse de Manu Chao qui va être présent donc sur le festival. Et le concert tête d'affiche de samedi soir, qui est déjà complet depuis un moment, mais qui est Flavia Coelho, qui fait en plus partie du jury du festival. D'accord. Parce qu'effectivement, c'est un festival avec un jury, ça veut dire qu'il y a un gagnant. Comment ça se passe, ouais. Il y en a plusieurs même. Ouais. Ouais, il y a 7 prix qui sont remis. Donc, certains prix sont remis par le jury. Officiel, donc est constitué donc de Flavia Coelho, il y a un champion d'escalade, il y a une aventurière qui a gravi l'Everest, il y a le public qui remet aussi des prix puisque le public est appelé à voter à la fin de chaque projection. On a notre chaîne du coup Ushuaïa TV qui remet également un prix, on a un prix littéraire, on a un prix étudiant pour la première année avec l'université Paul Valéry. Donc voilà, il y a pas mal de prix, il y a 8 prix qui sont remis en tout. Et bon. L'écrivain Sylvain Tesson qui vient également. Exactement, présenter le film Laurence d'Arabie. Où il part justement sur les traces de Laurence dans pas mal de pays, la Syrie, l'Iran. C'est un documentaire très très inspirant. Ouais. Est-ce que vous regardez l'émission Nu et culotté? J'adore. Ouais, parce que vendredi matin dans ce studio là, oui. De France Bleu Héros, il y aura Nance. C'est Nance. Ouais, Nance sera là. C'est pas vrai. Aussi, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Comment ça? Ah ouais, vendredi matin. Ah, chez vous? Ouais. Non, ici, dans ce studio, vendredi matin. Vous voulez dire à côté de moi? Oui, à côté de vous. Vous ne serez pas là vendredi. Ah mince. Ouais. Et alors, il y a Elsa, Elsa qui est au standard de France Bleu Héros, qui me pose une question dans l'oreillette. Est-ce qu'il sera nu? C'est la question. Ça, c'est la grande question que même nous, on se pose. Ah bon, d'accord. Très bien. En général, ils sont nus quand ils partent, mais quand ils arrivent, ils sont habillés. Donc. Ouais, mais quand ils partent, ils sont nus, mais floutés. Alors que là, nous, on n'a pas les moyens de flouter. Donc, si jamais il vient nu. C'est produit par Bonne Pioche et vous aviez reçu. Une émission que j'aime beaucoup aussi, J'irai dormir chez vous. Antoine de Maximi, que vous aviez reçu il y a quelques années, très très bien aussi. C'est ça, ouais. Bref, vous l'avez compris, on va parler du Watt Festival tout au long de la semaine. Vous avez toutes les infos, donc évidemment sur la page Facebook, sur le site officiel aussi, wattmontpellier.fr, pour retrouver donc tous les temps forts de cette 7e édition qui commence officieusement aujourd'hui, officiellement demain et vendredi. Donc on en reparlera, au moins vendredi, c'est sûr, mais on en reparlera d'ici là. Merci Romain Tarusson d'avoir pris un petit peu de temps ce matin. Dans un planning bien chargé pour commencer la semaine. Passage par le studio de France Bleu Héros. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Il est 8h52. On a rendez-vous avec notre docteur là tout de suite.